Nous allons lire dans les Écritures, sur le livre d'Hébreux, chapitre 11. Nous avons pris cela parce que quand on parlait sur la foi le dimanche passé, on avait parlé, c'était Hébreux chapitre 7, alors que dans 7, ça parle de Melchizedek. C'est pourquoi nous allons commencer d'abord à lire ici certains versets et puis les autres, vous allez lire ça au complet. Si vous vous disposez votre temps pour le Seigneur, vous voyez, hein? Nous ici nous allons lire simplement quelques versets, puis nous allons passer sur le livre de Jean chapitre 5. Voilà. Vous voyez, lisons ensemble pour la gloire du roi Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui s'est manifesté dans la chair humaine comme épouse parole. Vous voyez. Donc, il est le même Seigneur, ouais, donc s'il est le même hier, donc ça veut dire il est le même dans tous les âges. Lisons Hébreux, commençons au chapitre 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu est approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, qu'il ne voit point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, soulignez ça, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On avance. Amen. Donc c'est ça, c'est très très important. Frère Branham parlait de ça souvent et il soulignait sur ça. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et comment Dieu existe? Parce que les démons aussi croient que Dieu existe. Maman, le diable aussi croient que Dieu existe. Vous comprenez? Les gens qui sont dans tout le coin des organisations mondaines, vous comprenez, venant de l'enfer, qui ont fait le pacte avec le séjour des morts, l'alliance avec la mort, croit aussi que Dieu existe. Vous comprenez? Amen. Donc c'est ça. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Que veut dire un rémunérateur? De ceux qui le cherchent. Voilà. Comment chercher Dieu? C'est d'aller à la montagne faire des jeûnes et prières. C'est ça, chercher Dieu? Chercher Dieu, c'est dans des louanges. Chercher Dieu, c'est d'aller dans des concerts religieux. Chercher Dieu, posons-nous simplement des questions. C'est faire des jeûnes consacrés quelque part, faire des délivrances, ainsi de suite. C'est ça, chercher Dieu. Posons-nous des questions. Nous allons y parler ici. Avançons. 7. C'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Divinement averti. Voilà. C'est ça, hein, cette lignée que tout le fils d'Abraham, tous les saints, tous ceux qui sont nés de Christ Jésus. Je ne parle pas de Jésus-Christ, mais de Christ Jésus. Cela veut dire Christ, le fils de Dieu, en qui Dieu a tout mis en lui. Vous comprenez? Il descend cette onction surnaturelle, le Saint-Esprit. Il descend, comme l'apôtre Paul le dit, en Jésus-Christ, homme. Donc, cela veut dire qu'il s'est personnifié. Donc, si nous n'avons pas encore vu Christ personnifié, Nzambe a commis Nzoto. Dieu est devenu chair, la parole faite carne. God manifested in human being flesh. Nzambe katina Nzoto, cela veut dire que non, là, il n'est pas encore notre rémunérateur. Voilà. Avançons. Donc, Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore.
Donc cela veut dire la pluie ne tombait pas sur la face du sol depuis Genèse que Dieu prononça la parole qu'au commencement la lumière, que la lumière soit et la lumière fit. Tout au début là-bas, au commencement, jusqu'au temps de Noé, il n'y avait pas de la pluie. Donc vous comprenez, les gens qui étaient là au temps de Noé, ils étaient des scientifiques, ils étaient des gens intelligents comme de cet âge que nous vivons. Mais ils étaient incapables d'arriver à comprendre ces choses parce que Dieu, c'est un Dieu mystérieux. Donc, il se révèle à ceux qui s'abandonnent à lui étant un rémunérateur divinement. C'est pourquoi chacun de nous doit arriver à saisir la divinité de Jésus-Christ pour lui. Cela n'a jamais été quelque chose de commun. Non, ça c'est faux. C'est ce qui fait en sorte que les gens sont bornés et captifs dans des bâtiments faits de main d'homme. Et ils croient servir le Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et ils sont là-bas quand on leur parle de quelque chose, ils vous lancent des défis. Et en lançant des défis, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des comparaisons. Ouais, c'est ça les arguments. Donc quand vous voyez quelqu'un aime toujours donner des arguments sur les choses de Dieu, comprenez directement que non, c'est quelqu'un à écarter, soit à éviter, garder simplement silence et laisse Dieu traiter avec lui parce que c'est lui le créateur et le juste juge et le juge suprême. Ouais. Donc quand quelqu'un il a une représentation de Dieu en lui, il ne discute pas sur les choses divines parce qu'ils savent que le Dieu dont nous prétendons croire ou servir ou soit de recevoir de lui une protection, c'est un Dieu surnaturel. Et les choses surnaturelles, ça ne peut être donné à nous que d'une manière divine. Vous comprenez? Donc cela veut dire, dans ce temps dans lequel que nous vivons, nous devons savoir que nous devons recevoir tout un chacun de nous la divinité de Jésus-Christ individuellement. Parce que nous sommes les gens des nations, nous ne sommes pas des juifs, nous parlons sur ça chaque fois ici en insistant, conformément à ce que le prophète Zacharie nous en avait dit, car l'Éternel Dieu révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. J'insiste ici, on ne vient pas ici pour parler à comme des prophètes qui parlent dans des églises locales. Dans des églises où le diable en a pris possession de 90 quelques pourcents, donc ça veut dire 90%. Vous comprenez? Parce que c'était ça son objectif, c'est pourquoi il a commencé ça dans les jardins d'Éden. Et Dieu, qui est un Dieu surnaturel, comme il se manifeste toujours dans la simplicité, comme Jésus quand il était venu, les mages ont vu les étoiles. Ouais? Et ils ont reconnu ce que les prophètes ont annoncé parce que les trois étoiles représentaient les trois races de Noé, les trois fils de Noé qui ont rempli la terre entière, le monde, voyez, Cham, Sem et Japhet. Et quand ils ont vu les trois étoiles alignées, donc cela veut dire le Juif, les gentils et les Samaritains. Ils ont vu que non, le fils de Dieu, le roi d'Israël est né. Et cela a créé des confusions. Ouais. C'est ce qui a provoqué qu'il était combattu. Mais le Dieu qui se cache élevé dans la simplicité, il est né là où il y avait des brebis. Vous comprenez? Donc cela veut dire là où se trouvaient des sheep. Dans un endroit qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un roi pouvait naître. C'est la même chose qu'aujourd'hui, Dieu a pris un mortel pour venir se révéler à nous. C'est comme ça. Et quand vous manquez ce départ-là, sachez-le que vous restez dans les ténèbres. Parce que l'homme avance à mesure que la lumière lui est présentée. Il passe des ponts, il passe des vallées, il passe des montagnes, comprenez? Et il contrôle ses pieds en descendant. Il sache que non, il y a des neiges ici, il y a de l'obscurité ici, je suis dans la forêt, ainsi de suite, à cause de la lumière. Si la lumière n'est pas là, vous comprenez, vous serez conduit aveuglément et vous tomberez tous ou dans la perdition, comme le Seigneur avait dit. Donc, ça veut dire Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Voilà là où vient la crainte de Dieu. Quand Dieu s'est révélé en vous divinement, quand vous avez reçu la divinité du Seigneur Jésus-Christ.
Si vous n'avez pas encore reçu cette divinité, sachez-le, vous marchez dans l'obscurité parce que Dieu, dans chaque âge, dans chaque temps, dans une époque quelconque, comme dans ces temps ici qu'on pouvait parler du 21e siècle, du 20e siècle, du 19e siècle, cela veut dire les temps. Nous avons dit que non, ça a commencé, comme les historiens disent, de l'Antiquité, Moyen-Âge, époque contemporaine, jusqu'à nos jours, ainsi de suite. Ouais. Donc, si nous parlons à nos jours, c'est après Jésus-Christ, après le cercle des apôtres, après la papauté romaine, vous allez voir que non, il y avait une petite lumière pentecôtiste dont les réveils ont pris place. Je ne parle pas des églises des réveils, c'est les réveils pentecôtistes. Nous avons vu la manifestation du Saint-Esprit qui était dans le temps du Pentecôte, avec les 100 apôtres. Ouais. Donc ça veut dire que la dispensation a changé. Et maintenant, cela s'est révélé vers le soir, ici, et nous avons reconnu ce que le prophète Joël avait annoncé. Et quand nous avons reconnu cela, nous avons vu que les gens ont resté bornés là-bas. Ils ne veulent plus avancer. Ils se sont donnés, bornés au don et toutes ces choses-là. Mais la lumière a avancé parce que c'est le temps de recevoir la divinité. Vous voyez, quand on parle de la divinité, ce n'est pas de la divination. Donc, on parle de la divinité de Jésus-Christ. Ouais. Et cette divinité ne peut venir de rien d'autre que de ce que nous vous présentons ici, dans cette figure pyramidale que nous avons mis ici à votre disposition pour vous montrer une bonne marche qui peut nous aider de recevoir la foi dont on parle ici divinement avertie et la crainte respectueuse, voyez, d'un rémunérateur Dieu. Vous comprenez? Qui a fait en sorte que non, tout ce que les gens disaient, les scientifiques, les gens intelligents critiquaient Noé, mais Noé restait dans les signes de l'Éternel parce qu'il a été averti divinement comme Abraham. Abandonne ton père, abandonne ta mère, c'est ça l'appel de tout un chrétien. Vous voyez? Comme ça que Dieu appelle chaque fils et chaque fille afin de quitter l'Égypte qui est le monde. Ouais. Enfin de changer votre statut, votre identité. Enfin d'entrer dans cette marche pour atteindre votre stature parfaite. Ouais. Mais vous allez voir que quand vous présentez les choses de la manière que nous est révélée divinement aujourd'hui, les gens vous donnent des arguments conformément à ce qu'ils entendent dans leurs organisations, si vous pouvez dire dans leurs églises. Les gens, au lieu de s'abandonner à la parole révélée du jour, ils s'abandonnent à ce que leurs églises leur disent. Alors que toutes ces églises sont derrière des doctrines faites des mains d'hommes. Vous comprenez? C'est des doctrines faites des mains d'hommes, c'est ce qui éloigne Dieu et ce qui éloigne le créature de leur créateur. Ça veut dire les hommes de leur Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi quand nous venons ici avec des avertissements du Seigneur, afin que vous puissiez prendre position à la parole pour que vous puissiez recevoir votre divinité. Ouais? Donc si vous n'avez pas encore reçu votre divinité, sachez-le que vous n'avez pas encore pris position en Christ. Vous êtes un Ichabod. Vous marchez encore dans les ténèbres. Ouais, parce que la lumière sur les cultures, les épîtres, rendit manifeste du jour. C'est là où on a été averti divinement. Et c'est ce qui construise la foi de l'enlèvement. Vous voyez? C'est pourquoi quand on vient ici, on vous dit que non, l'épouse est, il est déjà dans le millénium. Quand on vient ici, on vous dit que non, on est déjà enlevé, l'épouse a été déjà enlevée. C'est l'Église qui est la Vierge folle, la Vierge sage, l'épouse a été déjà enlevée parce qu'il était prêt, il a entendu le son de la trompette de l'Apocalypse chapitre 10. Et il n'était pas resté, il s'est vite précipité à rejoindre le corps mystique de Jésus-Christ qui est l'épouse de Jésus-Christ, ce corps-là. Vous comprenez qu'il n'a pas été construit des mains d'hommes.
dont Dieu lui-même est le constructeur et l'architecte. Vous comprenez? De la manière que nous avons vu qu'il a pris une partie de lui et il a donné ça à son prophète, afin que tout celui qui écoute par lui, croit lui, la parole qui sort de lui, qui puisse recevoir, vous comprenez, sa divinité. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, on avance. C'est par ces moyens ici. Vous comprenez, c'est ça, Hébreux chapitre 11. Ce n'est pas cette fois, c'est pourquoi nous n'avons pas voulu lire versets 1 à 3 pour essayer un peu de ne pas troubler l'intelligence des gens qui se posent souvent des questions quand on présente les choses de Dieu. Vous voyez, nous avons commencé directement au verset 4. Avançons. Voilà, c'est Noé là. D'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. De la justice qui s'obtient par la foi. Voilà. Donc cela veut dire divinement averti, ça veut dire la révélation des jours du Noé, c'était ça, de construire l'arche. Et maintenant, quand vous prenez ce qui est passé du temps de Noé, vous le ramenez aujourd'hui, sachez-le que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous nous parlons que l'homme marche à mesure que la lumière lui est présentée. La lumière au temps des apôtres, ce n'était pas la lumière qu'ils avaient quand ils étaient avec le Seigneur. Parce qu'ils étaient des disciples. Il fallait qu'ils puissent être convertis. C'est pourquoi le Seigneur parlait à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que... Pierre, Seigneur, tu sais tout. Qu'est-ce que... Il s'est humilié. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous comprenez? Ils n'étaient pas encore convertis comme ils étaient là, comme beaucoup de nous, qui sont là-bas bornés dans des systèmes ecclésiastiques, dans des doctrines. Vous comprenez? Des églises de réveil, dans des doctrines de telles églises. Vous comprenez? De toutes ces doctrines qui sont sous soleil, qui construisent toutes ces grandes églises que nous connaissons, cela fera en sorte, cela vous empêche à retrouver la volonté parfaite de Dieu du jour. Et c'est impossible que vous puissiez découvrir les secrets qui sont de fondement, qui sont comme le socle de votre âme, comme nous avons parlé le dimanche précédent. Vous comprenez que vous devez vous retrouver là-haut afin que vous puissiez être capable d'entrer en contact avec votre corps-parole que nous appelons, comme le saint prophète nous en a révélé, c'est là, le corps théophanie. Si vous n'êtes pas encore entré en contact avec ce corps théophanie, sachez-le, vous possédez encore la nature animale avec vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que la seule chose qui change la nature animale à la nature d'un fils de Dieu, c'est lui qui est né. Parce que la naissance dont nous sommes nés des femmes, de nos mamans, vous comprenez? Respectueux, c'est une naissance animale. Pourquoi? Parce que ça a commencé avec la marque de la bête dans le jardin d'Éden ici. Remarquez, la Bible parle du serpent. Le serpent était animal, vous comprenez? Donc, cela veut dire le plus intelligent de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, vous savez, les malins, le diable, esprit Lucifer, ne pouvait rien faire. Comme il a vu le Créateur qui a créé son fils Adam, il voulait se manifester dans son fils. Voilà le désir parfait de Dieu. Être un sujet d'adoration dans ces créatures qu'il a créées. Vous voyez? Vous comprenez? Donc cela veut dire, quand il était là, il a créé son fils pour sa gloire. Ouais. Et les malins regardant, ils ne voyaient pas comment qu'ils puissent ramener le fils à désobéir le père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu au moyen de l'église, en utilisant les serpents. Il s'est incarné dans les serpents parce que le Père attendait que son fils puisse atteindre la dispensation de vainqueur, puisse accomplir son millénaire, voyez, afin de revêtir lui, afin de devenir un avec l'arbre de vie.
éviter l'arbre de connaissance du bien et du mal que le Seigneur avait mis devant eux. Vous comprenez? Mais le malin, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité directement dans cet arbre, dans les fruits de l'arbre, du connaissance du bien et du mal. Ouais, c'est ça que représente l'Église aujourd'hui. Les églises, ce sont des fruits de connaissance du bien et du mal. Quand ne faisait quatre qui se tiennent là-bas derrière la chair, tant au pasteur et à Dieu. Bon, ça, révéler du jour les secrets scellés. Comme nous parlons ici, les secrets. Ces secrets qui étaient scellés, dont le Seigneur parlait au travers de son ange Gabriel à Daniel, là à Babylone, vous comprenez? Comme nous vous avons cité Babylone plusieurs fois, Babylone au temps ancien, Babylone au temps de Daniel, Babylone dans ces temps que nous vivons. Vous comprenez? Trois fois, Babylone, Babylone, Babylone. Et la Babylone, c'est celle qui suscite la colère de Dieu. Et beaucoup des humains périssent à cause de la Babylone. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons vu que non, Gabriel est venu vers lui, il lui a montré des choses, il lui a parlé des choses. Ouais. À la fin d'un chapitre 12, il a dit, Daniel, va, tes bonnes œuvres vont te suivre. Ton réceptacle, c'est un réceptacle céleste, va t'attirer vers là où tu as cru, là où tu recevais des choses divinement. Mais ces choses, garde-les secrètes jusqu'au temps de la fin. Ouais, donc ce n'est pas pour ton temps. Et nous avons vu Jean le divin. Jean, le fils de Zébédée, qui était le frère de Jacques, que Jésus aimait beaucoup. Il a dit que non, qui empêcherait que l'un de ses fils de Zébédée puisse voir ma seconde venue. Ouais, étant le fils de Dieu, nous avons vu que Jean, il était là, ravi au ciel, alors que les gens lui voyaient persécuté dans l'île de Patmos, mais lui, il était quelque part là dans la gloire. Il voyait des choses glorieuses qui devaient, les secrets scellés qui devaient être décelés par l'ouverture de sceaux. Vous comprenez, enfin, que nous puissions être avertis divinement pour atteindre la perfection. Si vous n'avez pas encore changé votre perception, comme nous avons prêché autrefois, sache que votre persévérance est en vain. Votre persévérance est vaine. Rien ne changera, rien ne vous aidera y arriver ici. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas changer votre perception. Changer la perception, cela veut dire changer votre manière de voir les choses. Ouais. Chercher une expérience personnelle avec Christ dans des choses, dans des secrets révélés du jour. Et ces secrets-là qui vont construire cette figure pyramidale qui vous aidera à atteindre votre statut parfait en Christ. Et cela ne dépend pas de quelqu'un que vous puissiez rester là-bas qui vous amène la nourriture selon lui. Non. Ce n'est pas ce que nous venons faire ici. Non. Comme les autres le font pour vous garder, il a besoin que les gens puissent venir plein dans son excès. Pourquoi ils font toujours des déclarations qui excitent votre intellect, je dis bien votre intellect, ça n'excite pas votre foi. Et quelque chose qui excite votre intellect est lié à vos cinq sens de l'esprit. Ce n'est pas dans l'âme, dans le socle. C'est pratiquement impossible. C'est ce qui fait en sorte que non, Jésus donna l'exemple du temps de Noé, dans Luc 17, et du temps de Sodome et Gomorrhe. À cause de quoi? Parce que les gens, ils étaient faibles, mais religieux. Ils croyaient en Dieu, dans la dispensation du Père. Mais quand Dieu avertit les hommes par son prophète Noé, les gens ont commencé à lui critiquer, en parlant mal de lui, à prendre de lui comme un vieux qui a perdu le sens. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Et quand on vit comme les gens parlent mal du prophète de Dieu, dont Dieu lui a donné la révélation du jour, afin que nous puissions recevoir notre divinité, la divinité de tout un chacun de nous par l'ouverture de ses sceaux, et les gens ont commencé à parler mal de lui comme on parlait mal de Noé. L'histoire, très souvent, elle se répète. Ouais.
Si on a parlé mal du Seigneur et lui-même, de la manière qu'il était né, là où se trouvait des bouts, des brebis, bataba, ba meme. Ouais. Et bato bataba, mon konzi yaba, yuda, abota manesika, ah, était dit. Oh, wap, moi, noé, azana tata. Vous comprenez, une naissance douteuse. Le père voulait même rompre avec Marie et sa maman. Non, 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 non. Il n'est pas Dieu. Ce n'est pas le fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu, selon le juif, le hébreu, quand on parle de fils de Dieu, cela veut dire, selon sa définition, veut dire Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi David nous dit dans Psaume 82, vous êtes des fils du Très-Haut, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. À cause de quoi? À cause de ça. Nous ne voulons pas faire une expérience personnelle. Comme nous avons parlé du dimanche précédent, avec votre Dieu, vous voulez toujours que quelqu'un puisse être là. Alors que le saint prophète de Dieu dit que le temps dans lequel que nous vivons, c'est à vous d'entrer en contact parce que lui, avant qu'il puisse retourner à la maison, bien qu'il est avec nous, vous comprenez? Voilà. Mais pas dans un corps de chair. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il faut que ce corps ici accomplisse les écritures qu'il a été dit. Quand le Fils de Dieu était tombé en écoutant son église, sa femme au commencement qui a été séduite par les serpents, vous comprenez? Ici, qu'est-ce qui s'était passé? Quand il est venu ici, il a révélé ce que son Fils n'a pas pu reçu ici. Vous comprenez? Et le Fils de Dieu, frère Branham, quand il était venu, il est resté là-bas. Il a évité tout afin de recevoir cette divinité de devenir le fils de Dieu que Adam, le premier Adam ici n'a pas pu. Et le second Adam, il est venu à payer le prix afin que ce qui n'a pas été accompli ici au commencement avec Adam, vous comprenez, dans la désobéissance de son église, sa femme, cet arbre fruitier, vous comprenez? Cela, nous avons vu que Christ est venu, il a payé le prix ici. En payant le prix, vous comprenez? Nous avons vu que non, c'était le prix de la rédemption, le prix du rachat. Et nous voyons que non, l'expiation de ce prix, ça s'est fait au temps de la fin. Nous avons vu qu'après les sept âges d'Israël, les sept âges des nations, vous voyez? À la fin du 14, Moïse disait que non, l'expiation devait se faire ici dans l'autel des reins. Et maintenant, quand l'expiation se fait, comme nous avons lu dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons que non, l'agneau a quitté le trône. Il descend maintenant ici, non comme un agneau, mais comme un lion. Ouais, pour accomplir son écriture que de ce tabernacle dans un fils et dans des fils et des filles de Dieu. Comme nous avons dit que la responsabilité, on ne donne pas ça à un enfant, à quelqu'un qui veut être toujours un enfant. Mais on donne ça à quelqu'un qui atteint la maturité, qui a obéi le Père. Et le Père lui dit, maintenant tu as ma signature. Voilà ce que le Seigneur avait fait dans la montagne de transfiguration avec Pierre, Jean et Jacques. Vous comprenez? Restez là-bas, priez, et Pierre a vu la nuée descendue. Et il voit parler dans la nuée. Cela s'est accompli aujourd'hui dans l'Apocalypse chapitre 10, parce qu'apôtre Paul nous a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que non, il faut que cette trompette puisse sonner d'abord, afin que les morts en Christ puissent sortir là-bas, et nous, nous ne les devancerons pas. Vous comprenez? Voilà comment est-ce que l'épouse, cette église sans compromis, ouais, est partie déjà dans l'enlèvement du livre d'Apocalypse chapitre 4 pour revenir à Apocalypse chapitre 19 afin d'hériter la terre conformément à Apocalypse chapitre 21. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? C'est avec respect et révérence que nous vous rappelons ces choses. Mais si cela n'a pas une profondeur en vous, qu'est-ce qui va vous attirer? Ouais, si vous n'en avez pas, allez-y là-bas, vous humiliez comme il est le rémunérateur. Il est si capable, s'il vous voit vrai et sincère, il viendra, comme il a dit ici. Comme nous chantons dans ces cantiques, il est l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. S'il nous voit vrai et sincère, il vient à nous et il nous donne la liberté. C'est ça être affranchi. Donc, le second fils
de Dieu, Christ, qui n'était pas né de désir sexuel. C'est lui qui est descendu pour abolir ce que le malin a commencé avec les désirs sexuels ici, dont nous nous naissons. Le lenge toko ya na mokili. Ezali le lenge oyo ya nyama. Oyo monguna satana bandaki awa. Où le diable avait commencé ici au Congo. Et tout le monde était condamné à cause de ça. Est-ce que vous comprenez? De la manière que nous nous venons. Par les désirs sexuels. Et maintenant le fils de Dieu, le second Adam est venu sans ce désir pour condamner les péchés. L'iniquité, transgression qui ont été commises ici. Ouais. Afin que nous puissions revêtir l'image de fils de Dieu par le second Adam, le fils né sans ses désirs. C'est pourquoi nous avons vu que le troisième Adam, le saint prophète de Dieu, ici, frère Branham, quitta Laodicée, quitta l'église baptiste. C'était une église organisée, dénominationnel. Il regardait les pentecôtistes, il les a beaucoup admirés, mais ils sont restés bornés sur des choses temporelles. Alors qu'il fallait avancer parce que la lumière a quitté l'Odyssée pour aller ici dans le corps mystique, là où on reçoit la divinité, les secrets. Vous comprenez? De votre perfection. Vous comprenez cela? Pour que vous puissiez être une œuvre achevée. Vous voyez? Soit nous pouvons dire une œuvre achevée. Ici, entrer en contact. C'est pourquoi quand Frère Branham a quitté ici, il a reçu la révélation de Sto. Il a dit, voici le pouls. Allez à sa rencontre. Et maintenant, en disant cette déclaration-là, vous vous gardez les gens bornés ici. Et toi, tu te laisses aussi borner ici. Tu ne cherches pas ta divinité. Tu n'as pas encore réussi ta divinité. Tu ne cherches, tu ne fais aucun effort. Tu es là toujours quelqu'un à quémander. Quelqu'un, donc quand je dis à quémander, quémander spirituellement. C'est un mauvais état spirituel. Qu'on puisse rester là-bas, qu'on reste toujours qu'il y ait des prophètes qui viennent prophétiser pour vous. Qu'on vous dise ce qui s'était passé, mais l'avenir, ils sont incapables. Esaïe chapitre 41, Esaïe chapitre 42. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Et le second Adam, Père les plus, nous avons vu que non. Le troisième Adam, il est venu maintenant le fils de Dieu. Dieu, Elohim, comme au devant d'Abraham, c'est ce que nous devons devenir. Psaume 82 dit David, le poète, prophète, roi. Ouais, vous comprenez? Et c'est à ce moment-là que vous aurez cette capacité de dire à cette montagne, déplace-toi de toi, de là, jette-toi ici. C'est à ce moment-là que vous aurez cette capacité de la foi que nous n'avons pas lu ici, que non. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. C'est à ce moment-là, c'est à ce niveau ici que, par la voix possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est arrivé à ce niveau ici que votre foi peut dire que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en devenant des paroles, des épîtres vivantes. Vous voyez? Par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on n'a pas été fait de choses. Amen, 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 amen. En sorte que ce qu'on voit, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voilà l'invisibilité. Vous devez croire à l'invisibilité. J'ai dit bien, vous devez croire à l'invisibilité. J'ai dit que non. On va parler de l'invisibilité ici. On va prêcher sur l'invisibilité. C'est très, très important. Vous voyez, on avance. On y était ici. On était ici. Amen. 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait.
C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, qu'ainsi qu'Isaac et Jacob et les cohéritiers de la même promesse. Alléluia. Et Amen. Car il attendait la cité qui a été solide, fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà la cité que Abraham attendait. C'était quoi? Dans le champ de Mamré? Non. Là, en Mésopotamie? Non. Voilà. C'est dans cette cité où Christ est le soleil. Vous comprenez? C'est dans cette cité-là, le soleil brille toujours le jour. Ouais, c'est dans cette cité-là, des fils, ils y sont. Voilà. Si vous lui continuez, donc je m'arrête là-bas, donc vous continuez de lire ça jusqu'au verset 31. Ça parle que de la foi, en continuant. Même la Bible dit que nombreux. Ouais. La dernière que la Bible a parlé ici, c'est de la prostituée Rahab que nous avons parlé autrefois. Ouais, on a cité cette femme ici. C'était une fille de Dieu. Mais quelqu'un peut la regarder comme ça, regarder sa vie comme beaucoup de gens qui nous observent. Donc, les gens qui nous entourent, ils t'observent comme ça, ils voient peut-être tes faiblesses, certaines choses. Et vous comprenez? Et il n'a même pas le temps d'écouter ça. Mais c'est au prix de ta vie, c'est au prix de ton âme. Vous comprenez? Donc, sachez-le, quand vous rejetez ceci, vous rejetez vous-même. Ouais? Donc, moi, du jour au jour, je vis dans la grâce infinie. Est-ce que vous connaissez la grâce infinie? Selon sa définition. Hein? Lisons ici, et puis nous allons terminer. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5. Nous lisons pour la gloire du roi Jésus. Amen. Alléluia. Donc, commençons au verset 1. Ça ne sera pas beaucoup. Bon, commençons au verset 1. Voilà, nous aimons lire les Écritures. Peut-être pendant toute cette semaine, nous n'avons même pas pris nos Bibles et lu les Écritures. Quel agréable moment que le Seigneur nous a accordé dans sa miséricorde et s'approcher au plus près de lui, parce que nous sommes indignes de tenir cette Bible ici et de venir se tenir ici et parler de la vie. Nous sommes vraiment indignes complètement. C'est l'agneau qui a accompli cela, le second Adam, que nous puissions avoir cet accès. Mais nous devons reconnaître d'abord ce que nous sommes, afin que sa miséricorde puisse abonder et sa grâce se déverse par sa bonté, que nous puissions prendre nos mains suyantes et dire, Seigneur, aie pitié, et dans ce moment, son sang va nous sanctifier de cheveux jusqu'aux orteils, afin que nous puissions être digne par son sang, par lui, la parole du jour, et de tenir cette parole ici, ouais, et de parler des choses glorieuses. Si pas cela, c'est une condamnation à nous-mêmes. Ouais, et nous allons mal interpréter ça. On ne peut pas venir ici avec l'orgueil, non. C'est comme quelqu'un, c'est ce que Fabram disait toujours. Il est en train de s'aventurier dans une descente. Glacier, ouais, gelé, ouais, donc il risquera de mourir, je ne sais même pas. Lisons les Écritures, comme le Seigneur nous en a accordé sa grâce humblement sous le sang que nous nous sommes approchés. Voilà. Quiconque croit que Jésus est le Christ, ces choses, alléluia. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est-ce que vous entendez? Jésus est le Christ. Pourquoi est-ce qu'il a dit que Jésus est le Christ? Parce qu'il a obéi le Père ici, depuis sa naissance, bien qu'il n'était pas né d'une naissance virginale. Vous comprenez? Nous avons. Laisse-moi avancer parce que des différences là, ça va me pousser de beaucoup parler. Différence de toutes les deux naissances. Bien qu'il n'était pas né de désir sexuel, ouais, nous avons vu que non. Il a vécu comme nous, il mangeait comme nous, il marchait comme nous, il s'habillait comme nous, il était dans la chair humaine. Mais il a obéi, c'est second Adam, Christ Jésus, dont les gens ont pris son nom pour en faire de l'argent. Ils deviennent des millionnaires, ils insultent la gloire.
Vous comprenez? Ils ne savent pas placer les écritures. C'est pourquoi nous disons qu'ils sont en train d'insulter les gloires. Voilà, insulter les gloires. Quand vous interprétez mal, vous êtes là, ici, avec la parole. Quand vous sortez, vous êtes là dans des loges, vous êtes là avec des marabouts, vous êtes là avec ainsi de suite. Et vous ne quittez pas votre état sorcellière parce que vous voulez garder ces yeux-là pour voir des gens. Vous comprenez? Donc, sachez-le que les fils de Dieu que vous voyez qu'ils n'ont pas ces yeux-là, mais leur père maintenant, les créateurs des cieux et de la terre, ils ne voient pas. Mais ils vous laissent là-bas, continuez à prêcher, gagnez des millions, voyagez, faites des choses, habillez-vous convenablement et toutes ces choses-là. Sachez-le, il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, nous avons chassé des démons, éloignez-vous là-bas. Vous qui commettez l'iniquité, voilà. De garder toujours des gens à crier les autres avec des choses qui excitent l'intellect. Les autres là-bas, allons-y à la montagne, vous avez le miracle. Les autres chantent là-bas, papa, c'est un gars, et ainsi de suite. Tout ça, la vie, il n'y en a pas. Voilà. Pourquoi? Parce que la lettre est peut-être bien interprétée, mais l'esprit de la lettre n'a pas sa place. Voilà les problèmes que nous avons. On avance. Et nous avons vu qu'il a vécu comme un homme. Mais ici, on n'a pas que Jésus est le Christ. Pourquoi? Parce que le Père a pris plaisir de demeurer. C'est ce que nous insistons toujours ici. Si Jean 14 n'est pas encore accompli dans votre vie, c'est ce que nous allons lire ici dans 1 Jean 5 maintenant. Là, on lit souvent Jean 14, mais ici, dans 1 Jean 5, on va lire ça et puis terminer. C'est ce que nous venons dire, les secrets. Vous comprenez? Les secrets que vous devez découvrir pour votre progrès spirituel vise individuellement, je dis, ce n'est pas collectif. Collectif, c'est les juifs. Vous comprenez? C'est le temps que l'église qui est restée là-bas, des vierges folles, qui sont parmi nous ici, comme nous sommes en train de parler ici, c'est le temps que vous puissiez chercher de l'huile pour mettre à votre lampe. Cela veut dire se sanctifier par cette parole révélée du jour, afin que vous puissiez rejoindre ceux qui sont déjà partis. Parce que c'est temps Dieu traite avec Israël. Ce n'est pas avec nous. Ouais. Nous sommes en train de pavoter. Ouais. Donc les gens sont là-bas. Donc ça veut dire ils croient que non, Dieu c'est un Dieu habituel. Non, Dieu est inhabituel. Il n'est pas une créature, il est créateur. Comment est-ce que vous voulez garder Dieu quelque part là-bas, stack? Les Écritures parlent d'autres choses et les gens voient des choses autrement. Pourquoi ils ont confiance à leurs chefs spirituels? Partout des chefs spirituels. Quand on était des petits-enfants, on connaissait que dans le monde, les chefs spirituels, c'était le pape. C'est ce qu'on connaissait. Mais l'élo, disons, Jésus est le Christ. Christ, le Père, dans le Fils. Et ce qui faisait de lui Jésus-Christ. Adoption. Matthieu chapitre 17. Vous comprenez? La montagne de transfiguration, la nuée descendue, ce tabernacle identifié dans la plénitude. Donc ça veut dire au complet le Père dans le Fils. Et le jour là au calvaire, avant de mourir, étant un agneau, il a dit: Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Le Père Esprit a quitté pour que l'Écriture puisse s'accomplir pour payer le prix de la rédemption. Maintenant, ici, ce n'est plus question de regarder le corps, de regarder un mortel, regarder ce qui sort d'immortel. Voilà, les gens regardent Frère Branham comme un mortel. Ah, il est déjà mort, il est au nid, ça. Mais ma commune est Ticali. Nous vous avons donné des exemples du prophète Samuel ici. Mort, Saül a trouvé la magicienne en dehors pour évoquer Samuel. Il était venu, il a dit: pourquoi troubles-tu mon repos? Un mort peut répondre comme ça? Non. Après avoir, il a dit: troubles-tu mon repos? Il a dit: Lélo, n'a pas quoi. Toi, aujourd'hui le soir, toi avec ton fils Jonathan, vous allez me rejoindre ici. Vous vous blaguez avec les Écritures. Hein? Ouais, voilà là où nous avons eu la source, là où sort le secret qui fait en sorte que nous puissions
nous retrouver dans un lieu céleste, là où nous recevons la divinité de notre socle. Vous comprenez? Là où nos âmes entrent en contact avec le corps parole, le théophanie, là où nous avons vu nos anges gardiens. Est-ce que vous comprenez? Quand frère Madame Alain avait vu, quand il était ravi là-bas au ciel, il a vu un ange avec torse bombé qui se tenait à côté de lui, qui lui regardait comme ça, qui lui fixait. C'était lui-même. Voilà la divinité. On est là borné. Et ces choses ne viennent que, vous allez voir, chaque fois que vous vous réveillez, chaque fois que vous pensez aux choses de Dieu, chaque fois que vous écoutez une chanson inspirée, vous allez voir quelque chose parle à l'intérieur de vous. C'est ça. Vous allez devenir un. Vous possédez votre demain. C'est pourquoi le Seigneur Christ Jésus nous en a donné l'exemple ici en lui-même. Et nous avons vu qu'en prenant l'exemple, quand frère Benjamin a obéi, et nous avons vu cette plénitude était en lui jusqu'à tel point que le Seigneur lui a dit « Amène les gens à te croire ». Voilà. Mais quand on dit ça à quelqu'un, il prend son incrédulité des doctrines qu'il a eu par-ci, par-là, il met ça là-bas. C'est une question de la représentation. Il y avait une femme samaritaine, une prostitueuse. Il y avait des saints dans l'église, des pharisiens, des scribes, ils ont appelé Jésus Belzébul parce qu'il regardait sur les yeux. Mais la femme regardait sur les Écritures. Il a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir. Voilà. Lisons. Amen. Né de Dieu. T'es la bandera. Sorry. Oui, c'est là. Je répète. Laisse-moi changer même la position. Amen. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Comment est-ce que vous allez le croire? Voilà ce que nous expliquons ici. Voilà. En croyant en lui, cela veut dire quoi? L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voilà. Vous comprenez? De toutes les paroles, c'est ça, croire et devenir fils de Dieu. Celui qui a mes commandements et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne passe pas de la mort, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Il a été déjà jugé. Et toute condamnation qui tombait sur sa tête, je l'ai pris. Voilà ce que nous sommes. Et ce que nous cherchons que nous devons être. Parce que beaucoup de gens ont retardé Dieu, alors qu'on ne peut pas retarder le Créateur. Vous vous retardez vous-même. Ouais. Les Écritures le disent comme ça. Crois que Jésus est le Christ. Est né de Dieu. Il a reçu la nouvelle naissance. Comme nous parlons ici, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est cette foi que nous insistons ici, divinement en vertu, pour changer votre perception, votre manière de voir les choses de Dieu, afin d'atteindre la perfection, d'être affranchi, c'est-à-dire d'être libre, indépendant des hommes. Indépendant des chefs spirituels. C'est ça ce que le Seigneur est venu faire. Que vous puissiez, que ce secret vous puissiez être révélé. Voilà. Voici l'époux aller à sa rencontre. Vous comprenez? Prendre vos dîmes, allumer là-bas, dans la voie de Dieu, parce que vous vous nourrissez là-bas. Dans la voie de l'archange, là où le son de la trompette a été retenti. Voilà comment est-ce qu'on croit aujourd'hui. Ce n'est pas rester borné là-bas, qu'un homme puisse être toujours au-dessus de vous, parce que c'est cet homme-là qui écoute la voix de Dieu. Aujourd'hui, la voix de Dieu est à la portée de l'épouse, de tous. Tu écoutes ou rejetes, jugement déjà. Tu es jugé. On avance. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Voilà, aimer Dieu.
Amen. C'est l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi vient de quoi? La révélation révélée du jour. Ce n'est pas la révélation du temps de Jésus quand il était en Galilée. Là, il était venu comme un agneau. Ce n'est pas la révélation du jour du temps des apôtres là-bas au temps de Pentecôte. Ce n'est pas au temps de Moïse ni de Noé, c'est aujourd'hui. Lélo, il y a mon photo Luca. Au moins, il faut changer l'entendement. Vous comprenez? Avançons pour terminer. Voilà. La victoire qui triomphe du monde. Le monde, cela veut dire des mondes cosmiques qui sont construits avec des églises formalistes, dénominationnelles, dont nous avons vu que le malin est venu avec la marque de la bête. Ouais. La marque de la bête consiste à prendre les choses religieuses, chrétiennes, et mélanger ça avec des gouvernements et faire en sorte que les loges sataniques puissent prendre possession et des gouvernements et des églises. Je ne mange pas des mots. Je sais ce que je suis en train de dire. Je peux vous le prouver ici sur les Écritures. Je dis bien toutes les églises sous soleil qui interprètent mal la parole, ils sont là, vouloir ou pas, spirituellement, même physiquement. Même physiquement, vous ne le pratiquez pas, chasse-le que non. Votre corps de Christ fabriqué là, sans le fondement écriture, structureur de Dieu, vous êtes là, sous contrôle de loge satanique. Framasons, Illuminati, Rose-Croix, Rotary, tout. Vous êtes sous contrôle Nabango parce que ce sont eux qui contrôlent et les églises et le gouvernement. Naïvité, avec toutes les organisations mondiales, UNESCO, ONU, et ceci, cela, tout. Vous comprenez? Saisissez, on ne vient pas ici pour blaguer. Vous comprenez? On prend des risques pour la gloire du royaume. Et le royaume devait s'identifier en vous. Et si vous nous regardez comme des pécheurs, continuez à nous regarder comme ça. C'est votre problème. Et nous faisons notre rôle. Et nous ne limiterons. Personne ne peut nous limiter. Acquisez, dites tout ce que vous voulez dire. Le Seigneur nous disposera toujours. Et nous nous abandonnons à lui jusqu'à la cause. Alléluia. Quel est notre neuf? C'est notre foi. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Jésus est Dieu. Amen. Frère Branham, Dieu. Prophète Samuel, Dieu. Frère Neville, Dieu. Est-ce que vous comprenez? Prophète Jérémie, Dieu. Job, Dieu. Daniel, Dieu. David, Dieu. Pourquoi? Parce que Christ paya les prix. Ouais? Est-ce que vous comprenez? Berger Moussema, Dieu. Nebongo, Pasteur Dadi, Dieu. Faut comment Zambé? Ce qu'on a nos comités, aux anabibongise. Et ma loge, on a contrôle Nabino parce que le monde, ce sont eux. On va parler de ça. Ouais? De l'invisibilité. Vous allez voir. On va insister sur ces choses. Je dis bien l'invisibilité. Beaucoup de gens ont peur de ça. On parle de ça, on n'a peur de rien. C'est le Seigneur qui fait lever son soleil. Quand il fait la nuit, batubalali. Ouais. Na ya mulili, na ya moi. On passe 6. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez les choses que nous nous disons ici? Les Écritures se marient tellement parfaitement que Dieu est bon. Vous voyez? De l'eau, la parole, du sang, nous avons vu que la vie que le Saint-Esprit était sorti du sang de Jésus. Et c'est pourquoi il a dit que non, un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom. Jésus de nouveau, le Fils de Dieu, le Saint-Esprit personnifié. Divinité de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau
du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. La vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre, vous serez un indépendant de Père spirituel. On n'en disconvient pas, il faut qu'il puisse avoir des Éphésiens 4. Qui sont-ils? Apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes. 5 ministères d'Éphésiens 4. Oui. Mais s'il ne nous amène pas ici, comment est-ce que nous allons atteindre la perfection? Parce que si vous lisez Éphésiens chapitre 4 et 11, jusque là-bas en haut, 13, il dit que c'est en vue d'amener l'église à la perfection. Mais les gens, au lieu d'amener à la perfection, bah, tiens, on a la clôture, il y a 4000 dénominationnels qui sont des bâtiments et des amphithéâtres, ils construisent plein à limiter. Trop de bruit sans vie. Mais streamant, nous, les bateaux, bien à mes beaux. Avançons. De les voir, ils sont là, il entre là, bien habillé, joyeux, parce qu'il a, il a pris en possession tous les gens qui sont là-bas. Et quand il aille là-bas, on leur dit, viens entrer dans notre loge. Quand tu parles simplement, et maintenant, ils veulent critiquer les musiciens de ce monde, mais ils font le même rôle. Ils parlent dans le même coin. Lisons. 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Nous parlons de ça ici. 8. L'esprit, l'eau et le sang. Alléluia. Le temps est parti. Laisse-moi. Je ne vais pas expliquer. On continue. Et les trois sont d'accord. Amen. On continue. 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu, voilà. Le témoignage des hommes, Virgile, le témoignage de Dieu est plus grand car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Voilà. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Voilà. Matthieu chapitre 17, la montagne de transfiguration. Moi et mon Père, nous sommes un. Il faut que toi aussi tu puisses dire, moi et Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, mon époux, nous sommes un, comme frère Branham était devenu un avec Jésus-Christ. Jusqu'à tel point que les gens ont commencé à lui adorer. Vous voyez, c'est à cause de ça. C'était à cause de ça. Ils ont compris la divinité, Dieu, dans la plénitude. Elohim, je dis bien Elohim. Parce que la promesse a été donnée à Abraham, je viendrai. Toute ta postérité me verra. Comment? Dans un doute. Quand il paya le prix ici, dans sa première venue, il a payé le prix ici. Le sang qui coulait à la croix de Golgotha, là, ce n'était pas le sang juif. Ouais? Comme les gens vous amènent, non, nous devons croire simplement l'Ancien Testament. Voilà. Non, parce que là, on parle vraiment des ressources de l'histoire de l'Évangile. Fausseté, non. C'est la fausseté. Ce n'était pas des sangs juifs, ni samaritains, ni des nations. C'était le sang de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. On avance. Merci. 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Na katinaïe. Voilà ce secret constructif qui devait vous changer. Mais, au bimika, c'est comme Abraham. 100 ans à Boti. Et puis à continuer sur Bot après Isaac. Parce qu'il était devenu un jeune homme. Abraham dit de 18 à 22 ans. Ouais, un jeune homme de 20 quelques années. C'est ce que nous sommes. Voilà les rajeunissements. Comment est-ce que Dieu nous rajeunit? Comme la Bible dit dans Psaume 103, il nous rajeunit comme l'aigle. Alléluia. Amen. 10, on termine dans 15. Hein? Voilà. Dans le verset 15. 1 Jean 5. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur,
parce qu'il ne le croit, parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Témoignage que Dieu a rendu à son Fils aujourd'hui. C'est ici où les secrets qui étaient cachés ici, ont été révélés. Tous les secrets que Daniel avait vus ici dans l'Ancien Testament sur les sept âges d'Israël, avec les sept âges d'ici, tout, c'est toute l'expiation qui s'est faite au temps de la fin. Voilà, comme ça se faisait au temple, quand les gens amenaient leurs sacrifices, c'était au 14e jour. Vous avez vu qu'un homme ici, l'expiation faite de la révélation de Jésus-Christ, il est descendu ici avec un petit livre ouvert. Vous comprenez? Et septième saut, parmi les sauts, vous avez vu, premier saut brisé, deuxième, troisième, jusqu'à sixième brisé, brèche entre sixième et septième saut. Pourquoi cette brèche? Vous comprenez? Parce que septième, c'est un caillou blanc. Quand on regarde, il n'y a rien qui est écrit là-bas, comme dans le film Penda, comme dans le film de Penda. Ils ont combattu, jusqu'à temps que quand ils ont pris le truc, ils ont ouvert, il n'y avait absolument rien à l'intérieur. Vous comprenez? C'est caillou blanc, la divinité. Vous voyez? Donc cela veut dire, frère Banam l'a réussi à lui. C'est en prenant cette plénitude. Mais quant à toi, qu'est-ce que tu as vu dans ce caillou blanc? Est-ce que tu l'as déjà reçu? Pose-toi des questions. Parce que ça se trouve à l'intérieur de cette des pyramides, dit le prophète. Ouais, mais quand vous vous arrêtez quelque part ici, quand vous arrêtez ici, vous faites la compromis, vous devenez riche, comment est-ce que vous allez atteindre là-bas? Ouais, c'est ça. On avance, il y en a beaucoup à parler ici, beaucoup, tellement beaucoup. Voilà, voilà la divinité de Jésus-Christ en vous. Ce n'est pas de venir faire des bruits ici avec le nom de Jésus, comme des prostituées spirituelles qui sont dans des églises. Surtout au Congo, Nigeria, Cameroun et Côte d'Ivoire. Ouais. C'est tous les pays francophones en émo. Angola, n'en parlons même pas. Donc voilà, on avance. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Voilà le caillou blanc dans la pyramide. Septième saut. Frère Banam n'a pas expliqué cela parce que c'est une expérience personnelle, je dis bien individuel, comme il disait dans l'âge de Pergame, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Donc personne ne lira ce qui est écrit à l'intérieur, ni à l'extérieur de cette pierre, de ce caillou. C'est ça? Et maintenant, quand on voit un prédicateur qui vient là-bas, il veut expliquer ce thème. 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 Il veut individuellement, moko na moko. À celui qui attend ma voix, j'ai entraîné le supérieur avec lui. Il n'a pas dit avec eux. Les églises. Posons même à Bissouaki. Même dans les églises, les messages, vous interprétez mal. Hein? Tout ça pour exciter l'intellect des gens. Voilà la popularité, vous allez voir les gens sauter là-bas. Même que Dieu te bénisse, tu es digne de manger ma dîme. Et ainsi de suite. N'aboye Kolobamingi, ça nous crée toujours des problèmes. Nous, nous sommes indignes et ils sont dignes. On avance pour terminer. Amen. 11 maintenant. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Dans le bâti. 12. Amen. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le Fils de Dieu. L'époux et l'épouse sont devenus un. Pour voir le Fils de Dieu, qui puisse devenir aussi le Fils de Dieu, c'est par le mystère des anges. Matthieu chapitre 29 à 31, nous avons dit ça. Apocalypse chapitre 1 verset 20. Ce sont ces anges ici venus. Mes derniers anges. Il y a une mutazu livre. Donc, on a dit qu'il y a un lobby. Et les gens des églises, ils viennent, ils lui incriminent comme ils ont incriminé Élie. Il y a tant qu'à là. Ils l'ont fait aussi à Élie ici. On avance pour terminer. J'ai pris votre temps. Vous allez m'excuser. 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, est-ce qu'il a dit que vous aurez
La vie éternelle, Bokozabo Moyesera Tera dit à qui vous avez Bozanango. Po bondimi mwana na nzambe. Alléluia. Seconde venue de Jésus-Christ. Voilà. C'est ce que nous disons ici. Quand Abraham est arrivé là-bas, fils de Dieu. Vous comprenez? Parce que Jésus ne peut plus venir avec ce corps de Galilée. Non, il est venu ici identifié dans H-A-M. Elohim, Jésus-Christ. Parce que quand vous reconnaissez le pitre lit de votre temps que vous vivez, comment est-ce que l'identification des Écritures s'est accomplie? Vous retrouvez ici, vous retrouvez, c'est ça, vous avez la vie éternelle en vous. Mais parce que vous êtes entré, c'est ici qu'il y a votre demeure, qui vous a été éloigné quand vous étiez né ici par le sexe. Vous avez revêtu l'image animale. Et quand vous arrivez ici, cette image animale tombe. Vous voyez, pour revêtir l'image du fils, d'une fille de Dieu. Voilà pourquoi les gens ne cessent pas à s'habiller mal, à mettre des beautés, à se couper des cheveux, à mettre des couleurs différentes, laisser des femmes prêcher, manger des dîmes indignement, à faire toutes ces choses-là. Ils sont dans des loges, dans la parole, dans la source. Tout est à cause de ça. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas atteint ici. Vous voyez? Garde encore cette nature animale. Vous voyez? Parce que cette naissance ici, c'est une naissance animale. On va expliquer ça dans l'invisibilité. Quand nous allons terminer ce chapitre ici. On avance. Ouais. Vous avez la vie éternelle en vous. Oh, j'aime ça. Amen. La vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Son nom, c'est la parole révélée du jour. C'est ça le nom du Fils de Dieu. Tesa Jésus-Té. On a une forte déclaration. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas Jésus fantôme. Ils roulent avec des véhicules trop chers, ils ont des belles maisons, ils s'habillent trop cher, ils sont là avec des musiciens, des monde et toutes ces choses, des politiciens, ainsi de suite. Non! Vous comprenez? Il vient là-bas, il leur dit que non, l'homme et la femme, ils sont égaux, 50-50. Et on voit maintenant la femme domine. Les secrets de Londres que nous vous avons parlé dans les pyramides ici. Des Illuminati que nous avons mis ici, Yango Anandé va s'écrire à Londres, parmi. Premier secret à Londres, Yango Anandé. On a reine en ordre, rien à l'école à tout. Là, touchez à la femme, vous allez voir. On avance. Vous comprenez? Donc, c'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, dans les derniers jours, ce sera comme au temps de Noé. 8 personnes, Babiki. Comme au temps de Sodome et Gomorre, 3 personnes. Mais tous, vient avec le nom de Jésus. C'est pourquoi nous avons dit que non, ce n'est pas ça. Yangote. Ce n'est pas Jésus-là. Parce que le Jésus-là que les gens citent, c'est le Jésus de Galilée. Il a déjà quitté Galilée. Et il ne vient plus avec le corps d'Galilée. Non, il vient avec le corps de son épouse. Voilà l'identification de la parole. Quand on voit une sœur, on voit Jésus. Quand on voit un frère, on voit Yangote. Yangote, quand la chose, Jésus m'aurait imaginé. On peut expliquer ça dans plusieurs formes. Est-ce que vous comprenez? On avance. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Lui qui est l'Éternel, Dieu des armées. Le Dieu vivant. Amen. 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Laisse-moi avancer. Il nous écoute. 15. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle que soit. Que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous. Bon dimanche chez vous. On préfère s'arrêter ici. On a beaucoup à parler. On en a beaucoup parce que ce n'est pas à nous, mais source d'inspiration, c'est la divinité qui est à nous. Ouais, si vous n'avez pas encore possédé cela, allez pleurer sous le sang. Allez là-bas, genouez-vous au pied du roi.
dit, Seigneur, je ne peux pas rester ici. Je devais déjà posséder la vie éternelle à moi. Le pauvre frère là. Vous comprenez? Un inconsidéré, il vient de lire ça ici. Ton instrument, cet instrument-là qui se met toujours à notre disposition, il vient de lire ça. Est-ce que l'apôtre Jean, ton prophète, a menti? Voilà. Vous qui avez, bino boza na bo moyaseko, boza, boza na bo c'est la moté. Non, ça c'est la fausseté. C'est qu'ils enseignent les églises, non. Ici on n'enseigne pas ça. Ici on enseigne des choses qu'on possède. Vous comprenez? Parce qu'on on a espéré à des choses que le Seigneur a donné la promesse. Et si on espère qu'on possède ça, nous l'aurons. Voilà la foi. Et une expérience, une démonstration. Que le Seigneur vous bénisse richement. Restez dans la paix du Seigneur. Bon dimanche chez vous. Que Dieu bénisse les enfants. C'est ça notre prière, qu'ils grandissent. Non, selon l'influence de ce monde mauvais aujourd'hui, prions beaucoup sur les enfants qui puissent grandir et démêler dans l'influence de la parole, des messages, de l'air. Ouais, la volonté parfaite de Dieu du jour. Là où se trouvent les secrets qui transforment l'homme pour qu'il puisse recevoir la divinité de Jésus-Christ, de redevenir, c'est-à-dire renaître pour être le fils de Dieu. Comme Frère Branham, comme l'apôtre Paul, comme Luther, comme Wesley, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, comme Jérémie, ouais, comme Frère Neville, comme Frère Joseph Branham, ouais, donc c'est ça, comme Frère Billy Paul. Voilà, que Dieu bénisse. Shalom à tout un chacun de vous. Bon dimanche chez vous, nous vous aimons beaucoup. Prions les uns les autres. Soyons humbles, soyons vraiment humbles à la parole et Dieu nous aidera. Shalom, bye bye.